La visibilité est bonne. Bon. Faut y aller, faut y aller. Trop bien ! Les moteurs antigravitationnels, c'est pas mal non plus ! J'adore ! Trop cool ! Un petit coup là-dessus. Ah, c'est toi qui fais tout ce bruit, JP. C'est vraiment n'importe quoi, cette planète. Ça t'étonne? C'est comme ça, partout où on a laissé s'installer les réfugiés. Ils n'ont pas encore compris comment fonctionne le commerce et ils sont pas prêts de comprendre. Assez parlé d'eux. Comment vas-tu? Bien, apparemment. Ça a pas l'air gagné. Ça fait mal. L'autre jour, j'ai reçu une valise remplie de billets de la part de Frisbee. Ah oui, c'est pour la transformation d'Atransam, tout ça. Autrefois, quand il apprenait qu'une machine était cassée, il débarquait tout de suite pour l'avoir en premier. Il a bien changé depuis le temps. Ouais, le temps passe et les gens changent. Le tabac coûte de plus en plus cher et les bonnes casses de plus en plus rares. Alors, où en est ma Transam? Tu l'as bien démoli, espèce d'ingrat. Il paraît que t'as même accéléré deux fois alors que tu sais que c'est dangereux. T'es idiot, quoi. T'as failli y rester, mon gars, cette fois. Pour la Redline, je veux accélérer au moins trois fois. T'es dingue ou quoi? Trois fois? Ça va, calme-toi, t'es craint, vieux. Le niveau est pas le même qu'à la Yellow Line. Si je change rien, j'ai aucune chance de gagner. Faut trouver quelque chose. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être rajouter des armes. Elle est pas mal, celle-là. Qu'est-ce que t'en dis? Tout est permis à la Redline, et puis je me suis spécialisé dans ce genre de choses récemment, et c'est... Pour nous, la Redline est une course de voiture. Je ne mettrai rien d'autre qu'un accélérateur. Tu portes bien ton surnom. T'es gentil et idiot à la fois, mon pauvre. Arrête avec ça, tu me fatigues. La Redline est une course où toutes les armes et tous les coups sont permis. Tu débarques avec tes principes de prisonnier à la con, mais t'es en retard sur ton époque. Elle est bizarre, ton époque. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier, et je peux dire que j'ai tout vu. J'ai fait toutes les courses, c'est génial, non? Il y a toujours un paquet de monde qui assiste à la Redline. Et il y a un paquet de fric à se faire, tu peux me croire. Et puis surtout, il y a du divertissement. Enfin, tu vois de quoi je parle. Faut que je te dise, JP. Si tu veux un réservoir à nitro capable de supporter trois accélérations, va falloir refaire tous les plans de la Transam. Je peux te fournir que le moteur et les pièces. Tu dois y réfléchir si tu veux pas mettre d'armes sur ton véhicule. C'est important, ce que je te dis. Là, tu m'écoutes, quoi? Ah, c'est Frisbee qui chargera des plans et des réglages. Qu'est-ce que tu dis? Tu plaisantes? Non, pourquoi? Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez fait équipe tous les deux? Ne me frappe pas! Ce gars-là n'est pas net, moi je te le dis. C'est une crapule, de première catégorie. Tu parles des courses truquées, c'est ça? Il a changé, tu le sais mieux que personne. Ça me dérange pas trop d'aider un dingue comme toi. Mais filer un coup de main à un salaud comme lui, ça me dérange carrément. Et je peux pas l'accepter. Un pilote et son mécanicien sont unis pour la vie. Et on fait une sacrée équipe, toi et moi, depuis toujours. Est-ce que tu te souviens de ce que j'ai dit? Salut, Frisbee. T'en as mis du temps pour arriver. Je suis peut-être devenu une crapule entre-temps, mais mon talent de mécanicien est toujours le même. Ne confonds pas technique et caractère, le vieux. Dis donc, c'est pas joli d'écouter les conversations en cachette. T'as des goûts douteux, mon pote. Relax, le vieux. Si on règle pas la mécanique à notre sauce, c'est pas possible de monter des combines. Ah, je ne doute pas de ton talent en matière de mécanique trafiquée, Frisbee. Mais j'ai déjà réglé les détails avec le vieux. Pas de conneries, on n'a rien réglé du tout. Lâche-moi avec ce truc, je déteste les chapeaux. Je te laisse peinard pour la désosser, je compte sur toi. Où tu vas comme ça? Le vieux, tu dois me fournir les pièces et le moteur. Et toi, Frisbee, tu t'occupes des plans de la voiture et de son réglage. Et moi, je testerai le tout quand je serai assis sur le siège. À chacun son métier. C'est normal, non? C'est ce qu'on a toujours fait. Bon, allez, je vous laisse bosser. Pourquoi il se la pète comme ça?